Je suis vraiment ravi de vous rencontrer, mes chers élèves. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un conte pour les enfants. La malle volante. Voici la malle volante. Alors écoutez bien ce conte. Elle était une fois un marchand si riche qu'il aurait pu paver toute la rue avec des pièces d'argent. Il savait employer sa fortune et s'il dépensait un sou, c'est qu'il savait gagner un écu. Voilà quelle sorte de marchand c'était. Et puis il mourut. Son fils hérita de tout cet argent et mena joyeuse vie. Elle allait chaque nuit au bal masqué, fabriquer des cerfs-volants avec des billets de banque et faisait des ricochets sur la mer avec des pièces d'or. À ce train, l'argent filait vite. À la fin, le garçon ne possédait plus que 4 sous. Et ses seuls vêtements étaient une paire de pantoufles et une vieille robe de chambre. Ses amis l'abandonnèrent, mais l'un d'entre eux, qui était bon, lui envoya une vieille malle en lui disant: Fais tes paquets. C'était vite dit. Il n'avait rien à mettre dans la malle, alors il s'est mis lui-même. Quel drôle de malle, si on appuyait sur la serrure, elle pouvait voler. Bien sûr. Alors, c'est un conte d'après Hans Christian Andersen, La malle volante. Voici la malle qui volante. Voilà. Vous allez tout simplement lire et comprendre le conte. D'accord? Et à la prochaine, je vais vous raconter un nouveau conte vraiment amusant. Alors, merci de votre écoute et au revoir.